Bonjour, petit soeur, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on est vendredi, je ne sais plus combien, le 8 janvier. 8 janvier, ouais. Et du coup, vous aurez entendu la sonnette. Et en fait, c'était. Mais. Ça va, j'ai Vous avez tué. entendu monsieur, par contre, parler. Il joue à Fortnite. Comme d'hab. Et je suis là pour vous Lui, il a encore dit. parler Attends, de. attends, attends. Ah non, j'allais dire c'est sur moi, mais en fait, Vous allez c'est son l'entendre. mini. Ma lecture en cours. Les anges. Voilà, je suis dans le tome 3. Tu vas faire des headshots de La ton tome 2. page 178. J'aurais bien voulu essayer de le Tome 1. finir avec vous. Il me reste ça. Le bot, il m'a déjà fait Je rager. sais pas si je fais. Si je le finis Qui dans est ce l'ami vlog à ou pas, qui? mais j'aimerais bien le terminer pour faire le tome 4 Samedi, pour si être tu terminé viens, avec ça, parce qu'il y a une on autre va bosser très très vite. prochaine lecture qui m'attend avec plaisir que je viens d'avoir. J'ai pris un peu de retard, j'ai pris un Il petit est peu de trop beau, retard. les canons, Là, il est l'after mort. saison 2. Oh, je suis impatiente. Je me tape dans les lunettes. Il est trop trop trop. Par contre, il est énorme. Il est énorme. C'est parce que des fois j'oublie la zone. Par contre, faut faire gaffe que Anole Ah Gauche oui, il quand est même. bien. Ah, je pensais pas Il est que ça. bien de mon Il côté. fait presque 700 pages. Ah, nickel. Exactement. Ouais, 660 et quelque chose. Tadam! Ouais. Ah, franchement, j'ai retiré. Ce truc-là, il est quand même plus beau comme ça. What? Oh, J'ai regardez ça, tiré qu'il deux est flèches, j'ai beau. switché Mon lit. d'arme, donc ça m'a pas Oh, tenté je quand suis j'ai trop tiré. contente. Oh, mais regardez ça, c'est un pavé, hein. Voilà, je Un suis gros trop pavé. bien, j'aurais dû jouer. En plus, il y a des rabats, celui-ci. Ils sont deux, ils sont Par contre, je là. suis un peu triste, il y a des rabats. Il est trop beau, Éliminé. avec des livres dessus, des deux côtés. Je suis juste déçue parce que j'ai le grand format. Tu vois, ça fait pas longtemps que t'as le grand Et format. le. Putain, il est lourd en plus. Le premier, c'est un format poche. Du coup, je Mais pense rien que je d'attendant. vais commencer à le lire. Et quand je l'aurai lu, je le revendrai. Et je me procurerai le poche pour aller avec l'autre. Enfin, je vais essayer. Je pense qu'il Et il est quand même à 18,50 euros. 18. 18,50 euros. Mais il me le fallait. Il vient de sortir aujourd'hui tout frais. Il est tout frais, tout frais, trop frais. Enfin, hier. Il sortait hier. Du coup, il est tout frais. Du coup, je voulais vous le montrer. vous entrez dans une zone déjà relevée. Du Déterminez coup, un nombre j'ai d'armes. déjà envie de le commencer, mais je ne peux pas parce qu'il faut que je finisse mes lectures en cours. Entente. Mais je voulais vous montrer quelques trucs. J'ai fait une commande chez Belgique Loisirs. Que c'est une fois tous les 3 mois et il fallait que je commande. Mais je me suis procuré 1, 2, 3, 4, 5 livres. J'en ai un gratuit en plus. Ça tombe bien, j'ai un gratuit avec mes points. Je me suis procuré ceci, qu'il est beau, j'aime bien. Bon, c'est plus la saison, mais tant pis. C'est pas le gratuit, mais c'est l'amour invité à Noël. Il me tentait bien. Quand j'avais lu le résumé, du coup, je vais vous relire un peu le résumé en plus. J'ai un truc qui me gratte. Je vais mettre un peu plus de lumière. Malgré. Oh. Ma mère Noël, Valentine, se retrouve malencontreusement enfermée au dernier étage d'un grand magasin. C'est pour ça que j'avais pu un magasin, ça me plaît bien. Au Audre, activiste. Pour les droits des animaux, commence à fêter en garde la vue à quelques heures du réveillon. Natacha, chérie, enfin Nat, on va dire Nat, a lancé dans la quête désespérément une brique aux truffes, une brique de truffes,
Pour elle comme pour Eva, Vincent, Charlotte, quand Noël tourne à la catastrophe, c'est que l'amour n'est pas loin. Avec un... Ah, il faut que je retire les trucs. Avec un 9 nouvelles des stars français. À la comédie romantique de Noël annonce délicieusement le rôle fantastique. Voilà. J'ai fait pause 2 secondes, je voulais voir mon chat, il était en train de jouer avec un machin en plastique que j'avais là-dedans. J'ai fait un plumier. C'est une trousse à la base, mais j'ai fait un plumier. J'ai mis les bics que j'ai pris hier, qui est du... Cette marque-là, c'est marque pastel... paper mat. J'adore écrire avec, du coup, voilà. Après, j'ai pris celui-là, il y avait longtemps qu'il me tentait. Depuis qu'il est sorti, ça me tentait bien. De Gilet. Le Grandini. De chez... ça vient de chez Belgique Loisirs. Hein. Une chance sur 1 milliard. Voilà, en plus j'aime bien le... Oh, le raton laveur. Celui-là, j'ai pas vraiment lu le résumé et il me tentait bien par la couve. Voilà. Je vais vous lire un peu le résumé parce que le résumé c'est un pavé, ouais. Comme d'hab. Qu'est-ce que j'ai fait? Je venais d'avoir 11 ans lorsque j'ai pris connaissance de ce qui était un destin. C'est un drôle de. Drôle en repensant à cette soirée et à tout ce qui est arrivé, n'important. Depuis, je me suis dit que dans la vie, on ne voit jamais venir les événements qui ont vraiment compté. Depuis ce jour, plus personne ne me l'a pris dans mes bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière, c'était encore pour annoncer une nouvelle qui allait d'humanité. Pour exister. Il y a pas que des saint qui se permet de couper les pantoufles. Je ne sais pas qui le donne, mais si c'est un dieu, il cherche grand. À travers une histoire aussi résoulante des mouvements, Gilles Lambert nous traite un moment où chacun doit décider à ce qui compte réellement dans la vie. Le plus de temps à perdre aux questions que à s'éragir, se jette sur son fil, remet les pendule à l'heure, dire faire, j'espère aimer libre comme jamais. Voilà pour le bouquin. Je vais mettre là pour le deuxième. Ça, c'est celui-ci. Je pensais que c'était une BD, mais enfin, c'est un livre. Il y a des beaux, belle hésitation quand c'est le chapitre 2. Ouais, à chaque chapitre, il y a un truc comme ça. Du coup, c'est la cité de la gueule. C'est Anna Kaliki aux éditions, je ne vais pas le redire, Belgique Loisirs. Du coup, ça me tentait bien. Je me suis pris le tome 1, j'ai vu qu'il y avait le tome 2. Dans le résumé, il est petit, du coup, je vais quand même vous le dire. Dans la cité, l'art d'une... Les habitants, les jumelles aux longs cheveux roses, il faut que je boive un coup, résident par une servante et une maître. Les deux sœurs ne savent rien de leur origine. Mais lorsque le drame emmène, elles réagissent qu'à étrange pouvoir uni. Je sais pas c'est quoi. Franchement, il me tente bien aussi. C'est un petit livre. Je sais pas combien de pages il fait.
157 pages, ça pourrait se lire assez vite. Celui-là, par contre, c'est celui-ci que j'ai eu gratuit grâce à mes points. La bande de Vilain Petit Canard d'Antoine Soler. Soler, il est beau, j'aime bien. Celui-là aussi, c'est un long pavé, mais je vais vous lire celui-là peut-être. Je vais voir si je lis tout. Depuis que sa petite amie a quitté Florent, déprime. Et ce n'est pas pour son travail, Paul l'emploie qui semble pouvoir lui redonner le sourire. Un jour d'ennui comme les autres, il voit soudain débarquer dans une agence, pirate de bande ingérable, haut de couleur, cinq hommes et deux femmes, toutes de. Je sais plus. Ah, il est où? Tout de cuir vêtu et recouvert de tatouages, amis inséparables de personnalité, ils viennent de prendre leur emploi comme beaucoup d'autres dans la région. De leur usine a fermé. Flore prend immédiatement les affaires pour cette joyeuse tourpe. De dur à cœur, tendre surtout pour une belle gothique. Lily Rose est mobilisée toutes les ressources pour sortir de la panade. Quand Pôle emploi organise un grand casting de comédie pour une tournée été à travers la France, il est persuadé que le vilain petit Kerner ont tout leur chance. Un défi de taille qui va vite prendre les allures d'une aventure rocambolesque. Voilà. Écrit par Antoine Son l'air. Je sais pas comment ça se dit, mais il est beau, le petit cadavre. J'aime bien. Et celui qui me tentait absolument quand j'ai lu le résumé, c'est celui-ci. C'est Annelise Berstine. La vieille qui casserait la baraque. Baraque, ouais. Chez Piment, celui-ci, c'est chez Piment. J'en ai assez bien des piments et je suis jamais déçue. Sauf qu'on te casse le dos. Ça m'ennuie. Je vais vous lire le résumé qui est assez long aussi. Du coup, enfin, c'est pas long, c'est court, mais c'est écrit plus gros. À première vue, Cholette, c'est une grand-mère, organise des vœux acarité, tout ce qu'il a le plus classique. En réalité, cher. C'est Cholette est inutilement forcée ce rôle une petite vilaine dans le but de faire enrager son fils qui la voit déjà bras bas terre. En 15 minutes, Ellie mangea. Attends. Elle lit les mangas érotiques, troquer son déambulateur contre un Sterlock-brog et fréquente les cabarets en bonne compagnie. Tout va bien jusqu'au jour où elle est confrontée à un mystérieux qui dépose en secret des fleurs et un petit mot sur la tombe de son mari. Pour élucider cette énigme, Cholette va devoir retrouver les allées et déterrer quelques secrets.
Elle va devoir déterrer des secrets. Ça me tente bien. Ouais, voilà. Partie 1. Ici, c'est assez gros quand même. Et je sais pas combien de pages, mais il va me falloir quelques jours quand même. Ouais, 329. Voilà. Voilà pour les quelques livres que je vous ai montrés. Voilà. Maintenant, j'espère que monsieur... Là, monsieur est parti pour son pneu. Il avait rendez-vous à 2h30. Il est 2h40. J'espère que tout va se passer. Tout va se passer. Et puis, à la base, il devait aller faire les courses. Parce que comme il n'a pas su les faire au matin, il y a les courses à faire. Et après, il m'a dit qu'il avait deux colis à aller chercher. Parce qu'il a... commander des fèves Pokémon, voilà, pour faire sa collection, encore une fois. Oh là là là, je suis fatiguée. Vous voyez, je suis déjà fatiguée de cette journée. Moi là, je vais rentrer tout ça sur ma liste de PC, dans mon carnet, parce que je sais pas si vous faites aussi, mais moi, j'ai pris ce carnet là. Il y a un bic avec, il vient de, en plus j'aime bien les pages de chez Action, et je trouvais ça trop beau. Et j'écris tous mes livres dedans, et quand je les lis, je mets du fluo par exemple, comme ça vous voyez, hop, je les rentre à la main, voilà, et je les rentre à la main. Et ici je vais rentrer ceux-là, voilà. Et voilà, j'ai fini un livre déjà cette année, je suis déjà contente, c'est déjà un que je ne veux pas lire. Voilà, mais, du coup je vais rentrer tout ça, finir ma petite vidéo que je regardais. Et puis je pense que je vais aller lire un petit peu quand même, une petite demi-heure, une heure, tant que monsieur rentre. Et puis ben, il faudra que je prépare à manger, enfin aujourd'hui je ne me casse pas le cul pour faire à manger. Lui, ce sera des chicons farcis que j'ai qu'à mettre au four parce que c'est préparé. Et moi, ce sera une lasagne. Fait, les deux, fait par ma belle-mère. Moi, je suis moins fan des chicons gratins, alors voilà. En fait, à la base, il devait la manger hier, mais il n'a pas voulu la manger. Du coup, moi, j'avais mangé mon vol au vent. J'ai mangé mon vol au vent toute seule. Bonjour, on est toujours samedi, il est 9h45. J'ai le petit loulou qui est venu faire câlin à sa maman parce que je me mettais pour lire. Voilà, à chaque fois j'ai la même blague, il me pique mes affaires. Non mais non, ma page, lâche. Non mais non, c'est pas possible, ce chat est insupportable. Insupportable. On peut pas s'installer dans son lit. On doit obligé de mettre des couvertures doudou comme vous pouvez le voir, oui. Parce que je... ça c'est une couverture doudou et ça c'est mon drap de lit. Non, monsieur veut dormir toujours sur ça parce qu'au moins il veut pas dormir. C'est plus froid que ça, du coup il veut pas. Voilà, et il le tient. Il le tient cette couette. Et alors il adore, c'est aussi se cacher. Si je le cache, c'est un chat heureux. Un chat heureux. Ah, voilà, son père a bougé, du coup il a eu peur. Voilà, et alors là, il y a son jouet. Là, il y a son jouet. Ça m'emmerde. Il y en a un autre dans ma main, je sais pas où il est. Voilà, voilà. J'en ai marre. Bon, sur ce, je vais lire. Je voulais vous reprendre juste pour lire. Et je vais recouper vite mon PC parce qu'il s'est rallumé. Je vais continuer. Je suis à la page 90. Vous avez vu, j'ai pas lu beaucoup. J'aimerais bien avancer. Parce qu'il fait 200 et quelque chose. Je ne sais plus combien. Un peu plus de 200, mais... 295. Du coup, j'aimerais bien continuer. Voilà. Il me reste une petite cinquantaine de pages. Un peu plus quand même. 90. Ouais, 90. Allez, je vais dire un petit 100 pages, quoi. J'ai pas envie de compter, en fait. Enfin, vous voyez. Vous voyez. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je viens d'asseoir ma jambe, ça fait du bien. Et je vais lire. Sur ce, je vous dis à bientôt. On va se retrouver demain.
Voilà, et je vous dirai où j'en suis dans mon bouquin. Bonjour mon petit sucel, aujourd'hui on est dimanche, bien sûr, dimanche 10 janvier 2011, j'allais dire 2021. Et je viens pour vous parler de cette petite lecture. J'ai bien lu hier, il me reste vraiment que ça, même plus 50 pages. Franchement, j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que je suis pas vraiment à fond pour le moment dans ma lecture. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas le moment en fait, je crois. Avec les fêtes et d'autres choses qui sont apparues. Une tache de cacao, non? Je sais pas, c'est grave. J'aime beaucoup. Je suis à 234 pages sur 290. Du coup, je pense le terminer ce soir. Voilà, pour commencer le tome 4. Parce qu'après, j'ai des autres lectures qui me tendent vraiment bien. Je pense même quand j'aurai commencé ou au milieu de ma lecture numéro 4, vous allez venir choisir ma prochaine lecture. Si ça vous dit. Hein. Parce que j'ai mon petit challenge que j'ai mis dans mon beau carnet. Là, c'est celui-là, la pâle, mes pâles de livres 2021. Il y a plusieurs livres que je voudrais bien lire cette année. Du coup, bah ça vous l'avez, si vous voulez aller voir, elle est, je crois que je l'ai mis, ouais, elle est mise, elle doit être mise quand vous verrez ce vlog. Il y a les 90 jours complets pour toi, les 6 ans, l'after saison 2. J'avais mis aussi l'after, mais j'avais mis Wastopper 3. Mais ça, je pense que je vais le lire aussi, ça fera un en plus. Avec des si et des peut-être, coupable, I love you, le chant du loup des clans Bennett, tome 1, la fausseuse de rêve, l'urne ardente, malgré nous, Kelona, tome 1, l'année de grâce, Londres and Chain, et il y avait les deux autres aussi. Mon âme tournante part avec lui. Quand la finesse rime avec magie, le sorcier folle tôt, un bonheur parfait. Et voilà, et encore deux autres, mais voilà, vous voyez à peu près. Je vous montrerai à peu près ça. Il y a déjà celui-là que je peux vous montrer, qui est là juste à côté de moi. Ok, oh, c'est assez gros. Celui-là, il me tente aussi, absolument. Mais celui-là, je sais pas aussi. C'est doit être dedans aussi. Non, c'est dans le. C'est vrai que c'est dans la couverture. Du coup, c'est embêtant quand c'est comme ça. Mais c'est vraiment les étiquettes là. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est dans la couverture. C'est vrai qu'il devrait recoller, en fait. Ce serait mieux. Comme ça, on pourrait décoller. Voilà. Il y avait celui-là. C'est un beau bébé, quand même. Plus de 700 pages, quand même. Je pensais pas. Hein, quand même. 779 pages. C'est un beau bébé. Un beau bébé. Qui me donne bien envie aussi. Il y a les deux là que je peux choper. Il y a celui-là que je vous ai dit. Il me donne vraiment envie. Et il y a celui-là, les 6 ans. Celui-là, il a l'air tout petit. Je pense qu'il ne va pas faire long feu dans la palle. Enfin, ça fait déjà un moment que je l'ai. Hein, que je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Après, il y a d'autres livres qui me tentent aussi, mais qui n'est pas dans ma wishlist. Ça, c'est le tome 1. McCoy, que je n'ai pas encore lu. Parce que j'ai entendu beaucoup de mauvais avis. Et du coup, ça me fait peur.
Je vous laisse parce que mes amis sont là. Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens prendre ce vlog. Aujourd'hui, on est lundi. Je sais pas vous dire, j'ai pas ma montre. On est le... Je ne sais pas. Il est 1h14. J'avais dit que j'allais essayer de vous reprendre dimanche, mais je vous ai dit que mes amis, regardez qui est venu faire des câlins à sa maman, même s'il veut pas rester tout le temps à mon bébé. Nos amis sont venus hier et mais il s'est passé plein de choses. Ça s'est bien passé, on a bien rigolé, bien mangé. Trop bu pour moi, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça. Voilà, hier ils sont venus pour nous dire bonne année, bonne santé et tout ça. Et j'avais prévu de faire un petit, enfin, de manger avec eux comme ils venaient quand même. Moins de deux choses, je trouve. Voilà. Et je ne sais plus comment c'est venu, je ne sais plus parce que voilà, j'ai la tête un peu en brouillard, on va dire. Et. J'ai fait un pari pour avoir des Kinder Surprise. Avoir deux boîtes de Kinder Surprise. J'ai bu une bière de cul sec. Regardez qu'il est pour mon petit bébé. Cul sec. Et du coup, ça m'a monté assez vite. Il paraît au cerveau. Du coup, j'étais dans un état pitoyable. Ça... C'est bien passé quand même, on a bien rigolé. Il paraît que j'ai fait plein de conneries. Je viens de regarder les quelques vidéos qu'ils ont fait de moi. Et franchement, c'est à mourir de rire. Voilà. Vous voyez le truc qu'on fait pour les chiens là. On se cache et avec la couverture et on se cache. J'ai fait ça. Pour vous dire que je suis... voilà. Aussi, j'ai dû laver mes cheveux ce matin à cause, je ne sais pas comment c'est venu, mais enfin, soit, il y a un œuf qui est apparu dans le, on ne sait plus comment, mais enfin, soit, j'aurais été chercher un œuf dans mon frigo et j'ai voulu l'éclater sur la tête de mon ami. Sur la tête de mon ami et j'ai pas réussi. Du coup, j'ai voulu la casser sur la tête de mon copain, mais ça n'a pas marché non plus. Et du coup, à un moment, je ne sais pas, il paraît que je l'ai cassé sur la table. Et j'ai voulu la mettre sur la tête de mon copain, mais ils m'ont contrôlé tous les deux, il paraît. Je rigole, mais je ne sais même pas ce qui s'est passé. Hein. Il paraît qu'ils m'ont chopé tous les deux. Et du coup, c'est moi qui ai eu l'œuf dans mes cheveux. Du coup, ce matin, j'ai dû laver mes cheveux. Voilà. Parce que j'avais de l'œuf partout. Et voilà quoi. Et le Joe, il y en a aussi. Monsieur Joe, Jordan. Du coup, je lui en ai mis. Aussi, pareil, j'en avais dans la main. Du coup, je lui ai mis sur lui. Que mon chéri vient de me dire. Voilà. Du coup, c'était une soirée assez mouvementée. Mais on a quand même fait des parties de Uno. On a essayé de jouer à Vinilus. En écoutant et lire les règles, ça nous faisait un peu compliqué, mais je crois qu'on aura quand même bien compris les règles. Ça n'a pas l'air compliqué, plutôt pour nous, enfin pas mon chéri, parce que mon chéri l'a vite compris, mais il fallait le temps qu'on comprend. Et voilà. Hier soir quand ils sont partis, je me suis mis dans le fauteuil, pareil, je voulais pas quitter mon copain, je voulais être près de lui, mais à un moment, comme il a allumé le PC, sa lumière du PC agresse les yeux, et je suis partie au lit, et je suis tombée endormie, il paraît assez vite quand même, et pareil quand même, je l'ai appelé dans la nuit, avant qu'il arrive. Voilà, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. C'est juste que j'ai bien dormi. J'avais mal ce matin, un peu la tête. Il m'a mis, on va dire, un biberon. Le truc de sport qu'on boit quand on sport. Là, et du coup, il m'a mis un peu de thé. Je voulais de l'ice tea à la pêche.
Oui, comme ça, tu vois ce qu'il fait. Parce qu'il est gratuit sa tête. Et qu'il veut partir là. Moi, je veux qu'il reste près de moi. Il groule en plus. Je sais pas si vous l'entendez, mais arrête d'être tenu, bébé. Et du coup, j'ai bu ça et j'ai pas mal à la tête, ça va. Et puis, je me suis levée, j'ai fait ma vaisselle. On a joué avec monsieur à la baballe. Parce que monsieur, je lui lance la balle et il me la ramène. C'est un petit chien, mais un petit chat toutou. Il aime bien jouer à la balle. Son petit truc pour le moment, c'est de jouer à la baballe. Lui lancer dans les escaliers et puis me la ramène. Et puis je la relance. Et puis il me la rapporte. Et puis je la relance. Et puis il me la ramène. Ah oui, mon bébé. Ah, mon bébé. Voilà, du coup j'ai fait ma vaisselle. J'ai pris ma petite douche. Mais là, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon d'un mois. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai mal partout. Même au ventre, j'ai comme des crampes. J'ai des crampes au ventre, j'ai mal mon genou, j'ai mal mon dos. Et j'ai l'impression que mon esprit veut faire des choses. Enfin, moi je veux faire des choses, mais mon corps me dit non, non, tu restes là. Du coup, on va s'écouter et on va laisser son corps se reposer aujourd'hui. Du coup, je vais pas vous parler beaucoup. Vas-y, je chope mon livre qui est là. Je suis toujours dans mon bouquin que j'ai lu. Je sais pas si je vous avais pris. Je suis à 234. Non, j'ai pas lu hier, mais je l'ai au soir. Il me reste vraiment pas beaucoup à lire. Regardez, pour finir ce petit Les Anges. Et après, j'aurai le quatrième à lire. Comme ça sera une série de terminée. Monsieur Kislav, il est mouillé. Et aussi, ça je me souviens, on a mangé du panettone en jouant à Uno. Voilà la boîte de panettone qui est toujours là. Et on a fait un chapeau avec. Voilà. Mariette, si tu regardes ça, ça va te rappeler des choses. Parce que c'est Mariette qui l'a porté toute la soirée, enfin une partie de la soirée. Voilà. Et en même temps, elle l'a un peu arrangé d'un petit pompon. Je vais quand même le retirer, je vais essayer de le récupérer. Le petit nœud. Un petit souvenir de la soirée mémorable que vous m'avez faite. Voilà. J'attends toujours mes Kinder. Joe d'être à passer à moi. Parce que moi, je lui casse sa tête. Et la prochaine fois, c'est moi qui va les faire boire tous les deux. Parce que merde, quoi. C'est moi qui me déconne tout le temps, en fait. Dans cette amitié. Du coup, voilà. Et c'est eux qui se foutent de ma gueule. Voilà. Et oui, on n'est plus des enfants sages. Voilà. Sur ce, moi là, je pense que je vais me reposer en même temps. Je vais lire. Je vais lire ça dans mon fauteuil. Ouh, vous êtes cassé la pipe. Voilà. Du coup, je vais lire ça. Vous ne voyez plus. Je vais essayer de finir la fin aujourd'hui quand même. J'aimerais bien le terminer. Vous êtes tout de travers. Et là, on ne me voit plus. Là, on me voit. Là, on ne me voit plus. Bon, j'aimerais bien terminer ça pour commencer le 2. Enfin, le 2. Le 4. Pour terminer cette série. Parce que j'ai envie de me plonger dans d'autres livres. Il y a déjà le livre L'After 2 que j'ai envie de me plonger dedans. Beaucoup dedans, mais je sais pas si je vais dire l'after, et je pense que je vous ferai choisir ma prochaine lecture dans un prochain vlog. Voilà, je pense que quand j'aurai terminé celui-là, je lirai l'autre, et quand je serai un peu à la moitié de mon tome 4, je ferai un vlog et vous choisirez ma prochaine lecture. Et si je fais le livre L'After est où je fais d'autres livres qui est dans ma palle du challenge 2021 que je vous ai mis en ligne, que vous aurez normalement, c'était aujourd'hui je crois, je pense qu'elle est postée pour vous aujourd'hui lundi je ne sais plus combien, du coup vous l'aurez déjà vu avant que je poste ce vlog, il y aura déjà un moment. Voilà.
Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser là. J'ai soif, j'ai mal mes lèvres. J'ai des trucs que je digère seulement. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller me plonger la fin de mon livre si je suis assez concentrée. C'est ça mon problème. Dans mes une cinquantaine de pages qui me restent. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve plus tard. Je ne sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui. Mais demain, c'est sûr. Demain, ça ira beaucoup mieux. Ma tête. Ouh, vous allez voir mes autres cochonneries là. Du coup, demain, c'est sûr, je vous reprendrai. Allez, je vous dis à plus tard. Bonjour, mes petites lucioles. Je reprends ce vlog. On est mardi, si je dis pas de bêtises, oui. Hier, je pense que je vous ai pas vraiment repris. Comme je vous ai dit, je crois que je vous ai dit que j'ai eu un petit dimanche pénible. Vous allez entendre le chat jouer avec sa balle. Il est fou, il est malade, il en voit partout. En fait, je reprends ce vlog. Enfin, je vous ai même pas dit. Aujourd'hui, on est mardi 12 janvier. Il est 11h25 exactement. Et je voulais vous parler du livre que j'étais occupée à lire, qui était Les Anges. Je l'ai terminé hier soir. Je lui ai mis une note de 4 sur 5 dans mon livre. Parce que déjà, j'ai, comme pendant Noël et Nouvel An, les 15 jours là, je n'ai pas lu. Du coup, j'avais perdu un petit peu de ma lecture en fait, mais c'est toujours une bonne lecture, c'est pas ça, c'est juste que et à un moment ça monte, et ici je trouve que le milieu du 3 a été un peu plat, où il n'y a pas vraiment de truc qui s'est vraiment passé. On continue, on la suit dans sa vie, bien sûr, dans sa vie et dans sa relation avec, je ne sais plus son nom, elle c'est Mia, et lui je ne sais plus. Moi, les noms, c'est deux. Je ne sais pas si dans celui-là, il n'est pas marqué. Isaac. Isaac, voilà. Du coup, on suit Mia dans sa relation. Qu'elle doit lui faire plus confiance dans la relation, mais elle a du mal. Bon, je ne vais pas vous en parler trop comme c'est le 3, mais si ça vous. Je spoil un peu quand même. Je vous en ai parlé. Il y a elle a un lourd secret qui était, comme je vous ai dit, c'était. Il faut le signaler qu'elle avait été violée en fait. Et du coup, elle fait plus confiance aux hommes, son secret. Voilà. Et ici, ben, elle doit faire reconfiance à Isaac pour rapport sexuel, comme. Ça et pour plein de choses, lui il a été un enfant aussi un peu, enfin lui il a une lui aussi il a un secret, enfin secret non c'est pas un secret, mais il en parle pas vraiment. On a, enfin on l'apprend dans les autres bouquins, mais on en prend plus sur ses parents en fait dans celui-ci, parce qu'il vit dans une comment on peut dire, oh je perds mes mots aujourd'hui. Dans une famille d'accueil. Et du coup, il va lui ouvrir un peu son cœur, on va dire. Et voilà. Franchement, j'ai adoré. Mais c'est un peu plat sur le milieu. La fin, il y a un truc qui bouleverse. Enfin, il y a encore un petit truc qui se passe. C'est pour ça que hier soir, j'avais envie de lire le tome 4, enfin une partie, commencer à lire le truc 4 pour savoir ce qui va se passer, mais il était 22h, une fafiote, je ne sais plus exactement, mais il va passer 22h. Et du coup, je n'ai pas repris ma j'ai pas continué, j'ai pas pris le tome 4. J'ai lu celui-là et j'ai laissé tomber. Je me dis que je reprendrai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'avais du boulot et je viens de faire un gros ménage en fait. Parce que demain,
Enfin, ce soir, il faut que je mette tout ce qui est carton. Enfin, carton, pap enfin, carton papier, c'est le même, mais je suis biaise. Mais il faut que je lisse tout le temps. Les poubelles. Enfin, je vais mettre carton papier, carton, le PMC, tout ce qui est verre, enfin papier, enfin bouteille en plastique, et les poubelles normales ce soir. Les verres aussi, si j'ai des verres, il faut que je regarde ça, j'ai pas pensé à regarder. Du coup, j'ai fait les cartons, j'ai fait les litières de mes loulous, j'ai donné un mini torche, un mini coup de torchon dans mon salon. J'ai fait ma vaisselle, préparé, enfin, une machine qui tourne. Voilà quoi. J'ai pas encore fini parce que quand la machine est finie, je vais la mettre sécher et remettre tous mes torchons à laver. Voilà. Mon souper, c'est rapide aujourd'hui. Hier au souper, on a fait enfin, des crêpes. Enfin, c'est pas des crêpes. Mais là, le truc de crêpe, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire une pita en fait, mais on l'a fait nous-mêmes. Mon chéri a fait, on a pris de la pita, on a acheté la pita et on a pris le pain pita, là, le jour de crêpe. Et on a mis de la salade et on a fait ça. Et il a été chercher un paquet de frites à la friterie. Comme ça a été vite fait, parce que moi, j'avais pas envie de cuisiner hier avec... Mon corps qui voulait pas suivre en fait avec ce que j'avais fait du dimanche. Aujourd'hui il en reste, du coup on va faire ça. Voilà. Et ce que je veux dire après, ben, je pense que là maintenant je n'ai plus rien de choses à faire. Et du coup hier soir, comme j'avais pas trop envie, je vous montre le tome 4. Il est juste là. Il est beau aussi. Le tome 4. Il est plus gros. Je sais pas si vous allez le voir, je vais prendre l'autre. Il est plus gros. Celui-ci, il faisait 200... 290 pages. C'est ça qui me fait peur parce qu'il est plus gros. D'habitude, c'est l'inverse. C'est celui qui est à la fin est moins gros. Il fait passer 500... Enfin, non, pas 500 pages, mais 400 et... 473... Ouais, 74 pages. Du coup, j'ai lu premier... Comment dit? C'est un prologue. Juste la première page en fait. Bien sûr, à chaque fois, il veut pas me donner la première page. Ouais, j'ai lu juste ça hier soir. Voilà, mais j'ai mis mon marque-page quand même. Et comme j'avais pas envie de reprendre, continuer, je me suis pris, enfin, je vais essayer de le terminer parce que je le prends tout petit peu de temps en temps, mais il avance pas du coup. Qui est Chère Mamie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. C'est des petites lettres qu'elle envoie à sa mamie tous les jours. Et du coup, voilà. Quand j'ai 5 minutes, voilà. Je ne sais même pas son nom à la fille. Pour ma grand-mère, vous voyez, en fait, elle fait une feuille par en plus, c'est par printemps et il y a hiver. Je sais pas où je suis là. J'ai lu printemps, je suis en été. Franchement, c'est chouette. C'est vrai que c'est une bonne idée de faire ça, de parler de sa journée. La personne a des enfants. Du coup, elle explique tout ce qu'elle fait avec ses enfants, ce qui lui arrive, le pire ou le bien. Voilà, ici, j'ai lu qu'elle était en vacances. En plus, il y a des petits dessins sur chaque page, je pense. Ouais. Enfin, une photo. Voilà, là, c'est de la mer. Qu'elle trouvait que le paysage est magnifique. Là, son fils. Là, son fils a sur cette petite lettre, parce qu'il y en a des grandes, il y en a des plus petites, il y en a des super grandes, il y a 2 pages. Mais franchement, j'aime bien, on passe toujours un bon moment. Il y a celui-ci et j'ai l'autre que j'ai commencé mais pas terminé, que j'aimerais bien finir. Ginette, voilà, elle s'appelle Ginette. Ginette. Et elle fait une petite lettre tous les jours à sa grand-mère. Franchement, j'aime bien. Et en plus, il y a des petites photos.
Du coup, c'est top. Les moments qu'elle passe avec ses enfants, moi, j'aime bien. Voilà. Je sais pas quoi en dire plus parce que voilà. C'est une petite lettre de famille. C'est à lire, ça passe tout seul. Voilà. Moi, je suis à la page 85. J'aimerais bien avancer. Du coup, j'hésitais de lire ça un petit peu là avant d'aller au PC, faire ce que j'ai encore à faire au PC pour mettre mes vidéos en ligne. Je lis ça un petit quart de, une petite demi-heure ou si je commence à lire celui-ci. Parce que ça, j'aimerais bien terminer. On est le 12, au moins la semaine prochaine, quoi. Essayer de le terminer la semaine prochaine. Pas le traîner. Parce qu'après, j'aimerais bien lire autre chose. J'ai plein d'autres livres qui me tentent. Voilà. Mon amoureux. J'ai plein de livres qui me tentent. Mais je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas lequel prendre en fait. Mais j'ai tout qui me plaît. Mais je ne sais pas. Voilà. Du coup, j'aimerais bien terminer ça pour commencer autre chose. Pour les rendre à mon père. Avant de lui rendre, je ferai peut-être une vidéo consacrée. Comme je fais maintenant à chaque fois. Quand je lis une série de livres. J'aime bien de vous prendre en vidéo, vous expliquer. Moi, j'aime bien faire ça quand j'ai plusieurs tomes. Ça, voilà, je sais pas si vous ça vous plaît. Mais moi, ça me plaît. Et en plus, j'adore toujours la collection de New Romans. Ça donne trop beau dans la bibliothèque quand vous les mettez. C'est plein de couleurs, c'est trop joli, trop joli, trop joli. J'ai mon petit loulou qui vient là. Vous ne l'avez pas encore vu? Ah si, sur les enveloppes, je crois que vous l'avez déjà vu. Voilà mon petit loulou, mon petit amoureux qui joue avec sa babale. Allez ta babale. T'as paumé ta babale? C'est monsieur babale, oui. Ah oui. Alors les ficelles de colis aussi, vous voyez en dur là que certains ils ont, qu'on a. Eh bien ça et les babales, ça ne peut pas lui faire plus plaisir une petite babale. Ah oui mon amour. Une petite babale. Dis aux petits abonnés. Moi, je voudrais des petites babales. Envoyez-moi des petites babales dans les commentaires. Mettez une petite babale dans les commentaires. Et moi, je viendrai mettre une papate pour dire que je l'ai aimé. Quoi? T'es pas d'accord? Il est pas d'accord. Mais il veut une babale quand même. Tu veux des babales? Allez, mettez-vous tous dans les commentaires une petite babale pour soutenir Monsieur Woody. Oh, ça va! Celui-là, c'est un capricieux. En fait, il n'aime pas d'être pris. C'est un chat un peu spécial. Il n'aime pas d'être pris, mais il veut faire des câlins. Toujours faire des câlins, mais jamais être pris. Hein, Poudouneur? Et jamais toucher sa poudine aussi. Ça, c'est un chat assez spécial. Voilà, bon, je vous laisse. Je vais me plonger dans un de mes deux bouquins. Je ne sais pas encore. Voilà, sur ce, moi je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai tantôt avant de m'en surrendre. Peut-être vous parler de quel livre j'ai commencé à lire. Enfin, où j'ai continué celui-là, où j'ai commencé celui-là. Voilà. Monsieur me regarde. Monsieur Doudounet. Il est très beau. Faire son foufou. Je suis même dans le fauteuil. Du coup, il va venir faire dodo à côté de moi. Surtout que je ne vais pas rester longtemps. Parce qu'après, je vais aller au PC. J'ai des feuilles à ranger. J'ai à monter quelques... Je voudrais bien faire quelques vidéos. Enfin, monter quelques vidéos. Pour savoir les programmer. La semaine prochaine. Ici, normalement, vous avez tout vidéo qui est déjà programmée. Pour cette semaine. Je sais qui. Je crois que lundi c'était quoi? Je ne sais plus. Demain, normalement, vous avez mes 21 livres de 2021. Voilà, j'ai la Woodbox qui je crois que j'ai mis. Donc il faut que je monte. J'ai le petit colis de décembre, je crois que vous les. Enfin, je ne sais plus. Il faut que je les mette ou que je les monte. Voilà, voilà. J'ai plein de choses encore à faire. Ma journée n'est pas encore finie. Pourtant, j'ai envie de me mettre dans mon fauteuil et
Et de dormir ou de me plonger dans mon bouquin pour oublier mon mal. Oui, parce que j'ai encore mal au genou. Voilà. Bon, pour ce, je vais vous laisser. Je vais bouquiner un quart d'heure maintenant. Enfin, 20 minutes. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard. Bonjour mes petites lucioles, je reprends ce vlog. On est mardi, si je dis pas de bêtises, oui. Hier, je pense que je vous ai pas vraiment repris. Comme je vous ai dit, je crois que je vous ai dit que j'ai eu un petit dimanche pénible. Vous allez entendre le chat jouer avec sa balle. Il est fou, il est malade, il en voit partout. En fait, je reprends ce vlog. Enfin, je vous ai même pas dit, aujourd'hui on est mardi 12 janvier, il est 11h25 exactement. Et je voulais vous parler du livre que j'étais occupée à lire, qui était Les Anges. Je l'ai terminé hier soir. Je lui ai mis une note de 4 sur 5 dans mon livre. Parce que déjà, j'ai... Comme pendant Noël et Nouvel An, les 15 jours là, je n'ai pas lu. Du coup, j'avais perdu un petit peu de ma lecture, en fait. Mais c'est toujours une bonne lecture, c'est pas ça. C'est juste que... Et à un moment, ça monte. Et ici, je trouve que le milieu du 3 a été un peu plat. Où il n'y a pas vraiment de truc qui s'est vraiment passé, on continue, on la suit dans sa vie, bien sûr, dans sa vie et dans sa relation avec, je ne sais plus son nom. Elle, c'est Mia, et lui, je ne sais plus. Moi, les noms, c'est deux. Je ne sais pas si dans celui-là, il n'est pas marqué. Isaac, voilà. Du coup, on suit Mia dans sa relation. Qu'elle doit lui faire plus confiance dans la relation, mais elle a du mal. Bon, je vais pas vous en parler trop comme c'est le 3, mais si ça vous... Je spoil un peu quand même. Je vous en ai parlé. Il y a un lourd secret qui était, comme je vous ai dit, que c'était. Il faut le signaler qu'elle avait été violée en fait. Et du coup, elle fait plus confiance aux hommes, son secret. Voilà. Et ici, ben, elle doit faire reconfiance à Isaac pour rapport sexuel, comme ça, et pour plein de choses. Lui, il a été un enfant aussi un peu. Enfin, lui, il a une. Lui aussi, il a un secret. Enfin, secret, non. C'est pas un secret. Mais il n'en parle pas vraiment. Enfin, on l'apprend dans les autres bouquins, mais on en prend plus sur ses parents, en fait, dans celui-ci. Parce qu'il vit dans une. Comment on peut dire? Oh, je perds mes mots aujourd'hui. Dans une famille d'accueil. Et du coup, il va lui ouvrir un peu son cœur, on va dire. Et voilà. Franchement, j'ai adoré. Mais c'est un peu plat sur le milieu. La fin, il y a un truc qui bouleverse. Enfin, il y a encore un petit truc qui se passe. C'est pour ça que hier soir, j'avais envie de lire le tome 4. Enfin, commencer à lire l'autre cap pour savoir ce qui va se passer. Mais il était 22h. Une fois fiotte, je ne sais plus exactement, mais va passer 22h. Et du coup, je n'ai pas repris ma lecture. J'ai pas pris le tome 4. J'ai lu celui-là et j'ai laissé tomber. Je me dis que je reprendrai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'avais du boulot et je viens de faire un gros ménage en fait. Parce que demain, enfin ce soir, il faut que je mette tout ce qui est carton. Enfin, carton papier, c'est le même, mais je suis biaise. Mais il faut que je lise tout le temps. Les poubelles. Enfin, je vais en mettre carton poubelle.
papier carton, le PMC, tout ce qui est verre, enfin papier, enfin bouteille en plastique, et les poubelles normales ce soir. Les verres aussi, si j'ai des verres, il faut que je regarde ça, j'ai pas pensé à regarder. Du coup, j'ai fait les cartons, j'ai fait les litières de mes loulous, j'ai donné un mini torche, un mini coup de torchon dans mon salon. J'ai fait ma vaisselle, préparé, enfin une machine qui tourne. Voilà quoi. J'ai pas encore fini parce que quand la machine est finie, je vais la mettre sécher et remettre tous mes torchons à laver. Voilà. Mon souper, c'est rapide aujourd'hui. Hier au souper, on a fait enfin, des crêpes. Enfin, c'est pas des crêpes, mais là, le truc de crêpes, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Pour faire une pita, en fait. Mais on l'a fait nous-mêmes. Mon chéri a fait. On a pris de la pita. On a acheté la pita et on a pris le pain pita, là, le jour de crêpes. Et on a mis de la salade et on a fait ça. Et il a été chercher un paquet de frites à la friterie. Comme ça a été vite fait. Parce que moi, j'avais pas envie de cuisiner hier avec mon corps qui voulait pas suivre, en fait, avec ce que j'avais fait du dimanche. Aujourd'hui, il en reste, du coup, à faire ça. Voilà. Et ce que je veux dire après, bah, je pense que là, maintenant, je n'ai plus rien de choses à faire. Et du coup, hier soir, comme j'avais pas trop envie, je vous montre le tome 4. Il est juste là. Il est beau aussi. Le tome 4. Il est plus gros. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais prendre l'autre. Il est plus gros. Celui-ci, il faisait 200... 290 pages. C'est ça qui me fait peur parce qu'il est plus gros. D'habitude, c'est l'inverse. C'est celui qui est à la fin est moins gros. Il fait passer 500, enfin non pas 500 pas, mais 400 et 473, ouais 74 pages. Du coup, j'ai lu premier, comment on dit, la prologue, juste la première page en fait. Bien sûr, à chaque fois, il veut pas me donner la première page. Ouais, j'ai lu juste ça hier soir. Voilà, mais j'ai mis mon marque-page quand même. Et comme j'avais pas envie de reprendre, continuer, je me suis pris celui-là. Enfin, je vais essayer de le terminer parce que je le prends tout petit peu de temps en temps, mais il avance pas du coup. Qui est Chère Mamie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. C'est des petites lettres qu'elle envoie à sa mamie tous les jours. Et du coup, voilà. Quand j'ai 5 minutes. Voilà. Je sais même pas son nom à la fille. Pour ma grand-mère. Vous voyez, en fait, elle fait une feuille par. En plus, c'est par printemps. Et il y a hiver. Je sais pas où je suis là. J'ai lu printemps. Je suis en été. Franchement, c'est chouette. C'est vrai que c'est une bonne idée de faire ça, de parler de sa journée. La personne a des enfants. Du coup, elle explique tout ce qu'elle fait avec ses enfants, ce qui lui arrive, le pire ou le bien. Voilà, ici, j'ai lu qu'elle était en vacances. En plus, il y a des petits dessins. Sur chaque page, je pense. Ouais. Enfin, une photo. Voilà, là, c'est de la mer. Qu'elle trouvait que le paysage est magnifique. Là, son fils. Là, son fils a sur cette petite lettre. Parce qu'il y en a des grandes, il y en a des plus petites. Il y en a des super grandes. Il y a 2 pages. Mais franchement, j'aime bien. On passe toujours un bon moment. Il y a celui-ci et j'ai l'autre que j'ai commencé mais pas terminé. Que j'aimerais bien finir. Ginette, voilà, elle s'appelle Ginette. Ginette. Et elle fait une petite lettre tous les jours à sa grand-mère. Franchement, j'aime bien. Et en plus, il y a des petites photos. Du coup, c'est top. Les moments qu'elle passe avec ses enfants. Moi, j'aime bien. Voilà. Je sais pas quoi en dire plus parce que voilà. C'est une petite lettre de famille. C'est à lire, ça passe tout seul.
Voilà, moi je suis à la page 85, j'aimerais bien avancer. Du coup, j'hésitais de lire ça un petit peu là avant d'aller au PC, faire ce que j'ai encore à faire au PC pour mettre mes vidéos en ligne. Je lis ça un petit quart d'heure, une petite demi-heure, ou si je commence à lire celui-ci. Parce que ça, j'aimerais bien terminer. On est le 12, au moins la semaine prochaine, quoi. Essayer de le terminer la semaine prochaine, pas le traîner. Parce qu'après, j'aimerais bien lire autre chose. J'ai plein d'autres livres qui me tentent. Voilà, mon amoureux. J'ai plein de livres qui me tentent, mais je ne sais pas quoi. Enfin, je sais pas lequel prendre en fait. Mais j'ai tout qui me plaît, mais je sais pas. Voilà, du coup, j'aimerais bien terminer ça pour commencer autre chose, pour les rendre à mon père. Avant de lui rendre, je ferai peut-être une vidéo consacrée, comme je fais maintenant à chaque fois quand je lis une série de livres. J'aime bien de vous prendre en vidéo, vous expliquer. Moi j'aime bien faire ça quand j'ai plusieurs tomes. Ça, voilà, je sais pas si vous ça vous plaît, mais moi ça me plaît. Et en plus j'adore toujours la collection de New Romans. Ça donne trop beau dans la bibliothèque quand vous les mettez. C'est plein de couleurs, c'est trop joli, trop joli, trop joli. J'ai mon petit loulou qui vient là. Vous ne l'avez pas encore vu? Ah si, sur les enveloppes, je crois que vous l'avez déjà vu. Voilà mon petit loulou, mon petit amoureux, qui joue avec sa baballe. Allez, ta baballe. Hmm, ta paume et ta baballe. C'est monsieur baballe, oui. Ah oui. Alors, les ficelles de colis aussi, vous voyez en dur, là, que certains, ils ont, qu'on a. Eh bien, ça et les baballes, ça ne peut pas lui faire plus plaisir, une petite baballe. Ah oui, mon amour. Une petite baballe. Dis aux petits abonnés. Moi, je voudrais des petites baballes. Envoyez-moi des petites baballes dans les commentaires. Mettez une petite baballe dans les commentaires. Et moi, je viendrai mettre une papate pour dire que je l'ai aimé. Quoi? T'es pas d'accord? Il est pas d'accord, mais il veut une baballe quand même. Tu veux des baballes? Allez, mettez-vous tous dans les commentaires une petite baballe pour soutenir Monsieur Woody. Oh, ça va. Celui-là, c'est un capricieux. En fait, il n'aime pas d'être pris. C'est un chat un peu spécial. Il n'aime pas d'être pris, mais il veut faire des câlins. Toujours faire des câlins, mais jamais être pris. Hein, poudouneur. Et jamais toucher sa poudine aussi. Ça, c'est un chat assez spécial. Voilà, bon, je vous laisse. Je vais me plonger dans un de mes deux bouquins. Je ne sais pas encore. Voilà, sur ce, moi je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai tantôt avant de m'en surrendre. Peut-être vous parler de quel livre j'ai commencé à lire. Enfin, où j'ai continué celui-là, où j'ai commencé celui-là. Voilà. Monsieur me regarde. Monsieur Doudounet. Il est très beau. Faire son foufou. Je me mets dans le fauteuil et du coup, il va venir faire dodo à côté de moi. Surtout que je ne vais pas rester longtemps parce qu'après, je vais aller au PC. J'ai des feuilles à ranger. J'ai à monter quelques... Je voudrais bien faire quelques vidéos... Enfin, monter quelques vidéos pour savoir les programmer la semaine prochaine. Ici, normalement, vous avez tout vidéo qui est déjà programmée pour cette semaine. Je sais qui. Je crois que lundi c'était quoi? Je ne sais plus. Demain, normalement, vous avez mes 21 livres du de 2021. Voilà, j'ai la Woodbox qui je crois que j'ai mis. Donc il faut que je monte. J'ai le petit colis de décembre, je crois que vous les. Enfin, je ne sais plus. Il faut que je les mette ou que je les monte. Voilà, voilà. J'ai plein de choses encore à faire. Ma journée n'est pas encore finie. Pourtant, j'ai envie de me mettre dans mon fauteuil et de dormir. Ou de me plonger dans mon bouquin pour oublier mon mal. Oui, parce que j'ai encore mal au genou. Voilà. Bon, pour ce, je vais vous laisser. Je vais bouquiner un quart d'heure maintenant.
enfin 20 minutes. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard. Heureux coucou, on est toujours mardi, je ne sais plus combien j'ai dit tantôt. Pourtant aujourd'hui, hop. Le 12 janvier, il est 2h, ou... ah non vous voyez pas, regardez ma jolie pop, 2h presque et demi, 23 exactement. Je n'ai pas encore relu, mais je voulais vous revenir parce que je viens de regarder le dessin animé, le Soul, c'est comme ça, qui vient de sortir de chez Pixar. Ben, ça m'a foutu une claque, franchement, ça m'a mis une claque. C'est une bonne histoire de vie. Franchement, c'est une super histoire de vie. Franchement, ça m'a foutu vraiment une grosse claque. Je pensais pas ça du tout. Quand j'ai commencé à regarder tantôt, en fait, j'étais au PC, j'étais ce que j'ai fait. J'ai rangé mes feuilles que je devais faire, enfin mes papiers. J'ai regardé si j'avais des commentaires sous mes vidéos. J'ai pas fait de montage par contre. Voilà, je ferai ça demain, je pense. Ce sera plus. J'aurai que. Enfin, presque que ça à faire demain. Par la petite vaisselle. Et vous prendre qu'est-ce que je vais aller dire, parlons de du dessin animé Pixar, le Soul. Franchement, j'ai pris une grande claque. Ah ouais, je disais que en fait, en allant au PC, je voulais regarder ma série que je regarde pour le moment. Moi, je me dis pourquoi encore regarder, pourquoi pas essayer de aller voir un truc Disney une fois. Ça fait un moment que j'ai plus été sur Disney+. Et du coup, je me dis, bah, en faisant mes papotages sur le PC, j'ai commencé à faire mon texte, enfin mon examen de fin d'année. C'était en juin, mais notre prof nous l'a déjà donné le sujet. Il faut que je parle de ma journée de confinement. Le problème, c'est c'est difficile à expliquer. Comme voilà, je suis chez moi à 24h sur ma carte, à part lire et ranger mon appart et m'occuper de mes animaux, je ne fais pas grand chose et attendre monsieur, faire à manger. Voilà quoi, c'est faire des courses, enfin les petites courses que je fais. Oh là là, excusez-moi. C'est l'après-midi, je vaille toujours un peu. Enfin, j'ai un coup de pompe, c'est l'après-midi. Pourtant, je ne ferai pas ma sieste. Hein. Et du coup, je n'ai pas continué à parler de mon dessin animé. Hein. Je change de sujet. C'est pas grave, du coup, c'est pas compliqué à faire. Du coup, en regardant le dessin animé, j'ai commencé à faire ça. Mais j'ai du mal à me plonger dans mon texte. Mais j'ai déjà une belle partie. Il ne faut plus que je l'arrange. Pour que ce soit mieux. Voilà. En pensant à du dessin animé, ça m'a foutu une claque de vie. Parce que je sais plus le nom du personnage. Oh, ça y est. Je viens de le finir à l'instant. Je ne sais plus. Je sais que c'est Garnier. Je ne sais plus. Enfin, soit. On va suivre le personnage principal. Qui est un monsieur qui... bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, risque de spoil, ne regardez pas cette partie. Voilà, enfin, c'est juste, je vais juste vous dire en gros mots, ça peut être spoil pour vous si vous ne l'avez pas vu. Enfin, c'est juste un monsieur qui donne des cours de musique et lui, il voudrait être musicien et être un peu célèbre et être à l'affiche, comme beaucoup de personnes qui font de la musique, qui ont envie d'être célèbres et qui ne le sont pas.
Et le début, de toute façon, voilà, il tombe dans un trou. Et il se retrouve la petite boule bleue qu'on voit là. Et franchement, mais c'est magnifique. C'est comment trouver son avenir, on peut dire ça comme ça. Aider les âmes des autres. Comme moi, je pourrais aider n'importe qui. Allez, je veux dire, je sais pas, en parlant, en faisant des petites choses que avec elle, oh, tu pourrais donner un coup de main quoi sur son avenir. Comme quand vous êtes en couple, tu dis oh comme moi par exemple, je vais prendre mon histoire à moi. Je suis technicienne de surface de base, mais j'ai plus envie de faire technicienne de surface parce que ça me donne plus envie. Puis j'ai des soucis de dos depuis quelques temps maintenant et je veux. J'ai toujours aimé et aimerais bien de partir sur une autre voie, d'aller travailler avec des enfants. Voilà. Mais mon souci, c'est que, comme vous le savez, j'ai des petits soucis de lacunes de français. Et du coup, il fallait que j'arrange ce truc. Du coup, ici, ça va faire 2 ans que je suis au cours de français pour remettre ma conjugaison et tout blabla en. Dans ma grosse pièce, voilà, parce que j'avais passé mon, enfin, c'est même pas un examen, c'est un entrée, je pense que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est comme un examen de passage en fait. Et pour eux, mon souci c'était que je manquais vraiment de lacunes en français et du coup ils m'avaient parlé de partir. De faire une année de français. Mais avec ce problème-ci, il y a eu le confinement. Du coup, on a dû prendre par interposé. Et comme je disais, fin d'année passée, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Enfin, si, c'est ce que j'attendais, mais pas comme ça en fait. C'est pas ce que je voulais parce que on ne sait pas. Comment dire, je ne sais pas comment vous parler. Comme on est par internet, écran imposé, la prof ne sait pas vraiment vous faire vraiment de détails, quoi. Elle ne sait pas dire pourquoi. Enfin, comme en classe, vous avez un tableau, elle peut prendre sa craie et marquer au tableau. Par contre, je ne sais pas, moi, un truc. Voilà. Et dire pourquoi pas comme ça et pourquoi comme ça, vraiment expliquer qu'ici c'est tout par écran interposé. Elle partage une feuille blanche, enfin les feuilles blanches ou la feuille qu'on doit faire sur la conjugaison. Et du coup, c'est vraiment pas pareil. Et voilà quoi. Et elle nous voit vraiment pas aussi. Même si on le fait pas, mais on pourrait, par exemple, un petit peu tricher, parce que voilà, comme on est, elle nous voit pas vraiment. C'est pas le but non plus de faire ça, mais voilà. Voilà, c'était pas ce que je recherchais à la base, là, pour le français. Je voulais vraiment être le contact. Et puis, on n'a pas de contact ici. On a vraiment. Je suis vraiment chez moi, tout le temps, moi, en fait. À part les courses. Voilà, quand je vis 24 heures sur 24 chez moi, du coup, c'est vraiment pas la même chose. Voilà. Enfin, soit, du coup, c'est une histoire de vie et il faut trouver son chemin, comme moi, je dois trouver. Et comme je dis, grâce à mon chéri, en fait, qui est derrière moi et qui pousse vraiment pour que je puisse m'en sortir et arriver à ce que moi, je voudrais bien. Il est là, il me pousse et c'est un coup de main. Franchement, ça me donne un gros coup de main. Enfin, ça me donne un gros coup de main. Ça me donne la motivation pour faire ce que je fais et aller faire mon envie de faire mon projet. Voilà. Et c'est compliqué. Voilà. Et du coup, le film, c'est une histoire de vie en fait. C'est aider les personnes, comprendre les choses autrement.
passe. Lui, il était vraiment décidé à faire la musique. Pour lui, c'était sa vie, c'était ce qu'il devait faire. Il était né pour faire de la musique. Mais en fait, c'était pas tout à fait ça, quoi. Voilà. Faire comprendre les choses autrement de ce qu'on croit faire ou ce que croit qui est bon pour nous et que c'est pas ça, quoi. Franchement, c'est à regarder avec les enfants. Franchement, c'est le top. Regarder avec les enfants. Les petits-enfants, c'est tout mignon. C'est coloré. Moi, j'adorais. Le seul truc qui me gêne un peu dans le soul, c'est la petite voix derrière les personnages qu'on entend assez, tout le temps dans le film. Moi, c'est juste le truc là. C'est à cause... Moi, ça serait à cause de ça que je mettrais moins de points, en fait, sur ce dessin animé. Mais Osman, je pense qu'elle est là aussi pour mettre ce petit truc... comment... Je sais pas comment expliquer. Expliquer les choses encore mieux que les deux personnages. Parce qu'on suit deux personnages, en fait. Le grand et quand il arrive où il doit être. Voilà. Et... franchement, c'est une claque. Je n'en reviens pas encore. J'ai du mal. J'ai du mal. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. C'est à regarder. Je vous le conseille avec les grands, les petits. Moi, je trouve que même les grands devraient regarder parce que franchement, ça peut leur changer leur avis. J'apprécie d'avoir une âme avec moi, mais c'est juste la lumière. Du coup, franchement, c'est les grands comme les petits, mais je trouve encore que les grands devraient encore plus le regarder parce que ça leur donnerait un autre avis sur leur vie, peut-être. Moi, ça me travaille, on va dire ça. Ça me travaille, ça va me cogiter quelques temps. Je pense que dans quelques mois, il faudrait que je le regarde. Pour voir si c'est ça, pour voir ce que ça me fait à ce moment-là. Mais là, ça me travaille. Je crois que ça va me travailler quelques temps, cette histoire de vie. Franchement, il y a longtemps que, comment dire, j'ai jamais eu cette réflexion dans un dessin animé que j'ai déjà regardé. Qui me fait autant travailler que celui-là. Il est magnifique. Et les couleurs, les voix sont belles. Moi, j'aime bien les voix. Comme je vous dis, juste la petite voix qu'on entend tout le temps, enfin, qui explique beaucoup de choses, qui me dérange un petit peu. C'est ce qui me dérangeait au début. On va dire ça comme ça. Le début me dérangeait. Je suis pas fan des voix en dehors, enfin, du scénario. Enfin, c'est une... Mais là, je veux dire, plus dans le milieu, ça change, quoi. C'est parce que ça me dérange moins. Mais au début, ça me dérangeait un peu. Mais franchement, je crois qu'elle est là. Elle est besoin d'être là, cette voix. Voilà. Je sais quoi vous dire. Parce que là, je suis en train de... Je ne l'ai pas encore digéré et je pense que je vous en reparlerai d'ici dans quelques jours, quoi. Voilà. Je pense que je vais pas dans... Demain, je crois que je clôturerai ce vlog parce que jeudi du matin, je dois donner un court torchon chez moi. Après-midi, j'aimerais bien ranger encore mon texte. Qui est juste là. Hop, vous allez pas tout. Je montre pas l'histoire, mais voilà, vous voyez, il y a quelques phrases que j'ai écrites à l'ordinateur, puis j'écris au crayon. Voilà, parce que ça me passe par la tête. Du coup, je prends mon crayon et je note. J'ai plus qu'à retaper ça plus tard. D'abord, je vais d'abord. Quand monsieur va rentrer, je vais lui montrer. Et comme ça, demain ou jeudi matin. Enfin. Demain, jeudi matin, je vais nettoyer. Jeudi soir, j'ai cours. Et vendredi matin, je suis occupée. Je suis... Je que...
Je suis occupée et monsieur finit à 1h30. 1h30, je pense. Ouais, c'est ça, 1h30. Du coup, je vais passer l'après-midi avec lui et du coup, je finirai ce vlog demain. Demain soir, je clôturerai ce vlog. Parce qu'en plus, là, je ne sais même pas combien de temps je suis. Il va être long, je crois encore. De toute façon, je crois que les vlogs, on aime bien quand ils sont un peu plus longs. Et franchement, je ne crois pas qu'il y a grand-chose dans ce vlog. Il y aura l'histoire du truc, le livre que j'ai lu. Et là, je vais lire pendant une petite heure. Ouais. Avant que monsieur rentre. Et voilà, après, j'aurai faire à manger. Enfin, faire à manger, ça va être facile. Mais après, j'ai... Enfin, je voudrais bien regarder avec lui pour mon texte. Voilà, puis faire à manger. Et alors, à 6h30, nous, je regarde et Ici tout commence et Demain nous appartient, ma série que je suis depuis le début. Je sais pas si vous le connaissez. Franchement, j'adore cette série. Enfin, ces deux séries différentes. Ici tout commence, il n'y a pas longtemps qu'elle ait commencé. Je ne sais pas combien on est d'épisodes. Mais franchement, j'adore. En fait, c'est trois personnages de tout comme de Demain nous appartient qui est parti dans cette histoire. On va suivre. Je ne sais plus son nom. Oh là là, moi les noms, c'est deux. Enfin, le gamin. Un gamin d'une famille de Demain nous appartient. A trouvé sa voie, il veut faire de la cuisine et il veut rentrer dans une école. Enfin, il va rencontrer une fille qui est dans une école. Il va tomber amoureux, bien sûr, comme toujours. Et il va essayer de rentrer dans cette école. Voilà. Et bien sûr, il va y arriver et c'est pour ça qu'on va le suivre. Et l'autre, c'est un jeune couple. La fille, je ne sais plus, elle a une maladie. En faisant ce médicament, elle n'a pas de soucis. Et elle n'a plus vu son papa depuis... C'est Paul Armand, son nom, du chef cuisinier. Et c'est son papa. Et son papa revient, il veut lui dire qu'il est malade. Enfin, il va lui dire qu'il est malade. Qui voudrait finir le reste de sa vie avec elle et il va lui proposer aussi d'éditer son bouquin de sa vie, expliquer tout ce qui est de sa vie, de son école et tout ça, et à son copain, son compagnon, lui proposer un poste de assistante, non, c'est directeur, je ne sais plus de quoi. Enfin, souhaite, et du coup ils vont partir dans cette série aussi, voilà. Et franchement, j'aime bien les deux et j'adore surtout le gamin qui est parti de Demain nous appartient à Ici tout commence. C'est mon petit chouchou en fait de cette série. Il y a un autre personnage de oh, je vais éternuer. Voilà, il fallait que je éternue quoi. Il y a une fille qu'on va suivre, enfin, qu'on a suivi, enfin, qui est venue dans Demain nous appartient, où il va lui tomber amoureux. Mais dans Ici tout commence, elle peut pas être avec lui parce que elle va se marier avec quelqu'un de là-bas, de l'école, toute une histoire, et voilà. Et franchement, j'aimerais bien qu'ils se mettent ensemble, bordel. Je n'arrête pas de regarder et je dis, mais quand ils vont finir ensemble? Je veux qu'ils finissent ensemble. C'est pas possible. Je voudrais qu'ils finissent ensemble. Voilà. Et du coup, j'attends ça avec impatience. Mais je sais même pas si ça va venir un jour, hein, mais j'aimerais bien. Voilà. Du coup, voilà ce que je vais faire pour ma fin de soirée. Et souvent, ça termine vers 8h. Et après, je fais ma petite toilette. Et souvent, après, je sors le lit, lire tant que monsieur joue avec ses amis.
Enfin, nos amis, amis. Ça, enfin, ça dépend. Parfois, c'est avec nos amis et des fois, c'est ses amis. Parce qu'il joue avec un ami en commun, bien sûr. Enfin, des amis en commun à Fortnite. Mais le gamin a des heures pour jouer à Internet. Enfin, il a Internet à des heures coupées. Du coup, il joue au moment qu'il a Internet. Et en autre temps, comme quand il va rentrer, il finit à 3h30 au boulot, à 4, enfin 3h45 qu'il est ici. Et là, il va jouer à LOL avec d'autres copains à lui pour faire ses missions sur LOL. Je dis quoi là? Je suis pas fan, mais voilà. Et à partir d'une telle heure, il va jouer avec nos amis à Fortnite. Voilà. Voilà, vous savez tout. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser là. Ça fait déjà 20 minutes que je blablate toute seule avec mon écran. Mon bébé qui dort pas loin de moi. Et là, je vais me bouquiner un petit peu. Me détente. Après cette journée de boulot. Enfin, de boulot un petit peu acharné au matin. Parce que j'ai envie de faire tout, 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 tout. Ah oui, j'ai pas encore mis ma machine à sécher. Oh, je vais vite la mettre. Je vais mettre ma machine à sécher, mettre les torchons. J'avais oublié ça, comme je suis partie en champ à mon PC, j'ai oublié. Bon, je vous laisse et je vous retrouverai peut-être ce soir. Allez, je vous fais des bisous et peut-être à tantôt ou à demain. Coucou mes petites lucioles, aujourd'hui on est le 14, je devais conclure le vlog hier et j'ai oublié. Du coup là, je viens vite faire ça, je viens conclure le vlog de quelques jours, ouais, presque une semaine je pense. Du coup je viens conclure. Je vous dis merci de regarder ce vlog jusqu'au bout. Comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit plus haut dans la vidéo parce que je suis en train de la monter à ce moment-là. Et pour le moment je suis à 1h26 de vidéo que je suis occupée à couper certaines parties qui n'est pas trop intéressant. Du coup voilà, en commentaire n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et si le truc est toujours, mettez une petite balle pour Monsieur Woody qui adore jouer à la balle. Voilà, un petit smiley balle. Voilà, comme beaucoup font maintenant. N'oubliez pas de liker et de partager ce vlog. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochain vlog qui s'ouvre aujourd'hui, je pense que je vais ouvrir ça. J'ai déjà filmé quelques rushs parce que je voulais aller à l'action. Vous verrez dans le prochain vlog. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde.